Parce que justement on a mis l'info, parce qu'on n'a pas fait un gribouillage, parce que la voiture a sauté, parce que donc c'est important qu'on prenne le temps de prendre des notes et des bonnes notes claires, nettes. Pareil pour les remises à zéro, les points GPS. Georges, il disait de montrer un 4x4 à l'aller et retour une Renault 12 qu'on a vu ce matin. Avec le logo Aventure Handicap. Le logo, les deux mâles dessus, c'est un peu nos affaires. Quoi. On va sur le Mali à Youn et après. À Alègue, ouais. Un peu plus loin qu'Alègue, et après le lendemain tu peux passer sur les dates des villes. Si tu passes à la limite, qui va prendre bah, à la sortie. Par contre, si on prend un visa, ça sera un visa double entrée, donc il sera payé pour le retour. Toi tu regardes moi ici. Vous avez du pain, s'il vous plaît. Ça va, madame. À côté, on va l'acheter. À côté, il y en a. Allez. À l'ancienne. Dans le Mali, vous avez à peu près 16 ethnies. Vous avez les Bozos, les Peuls, les Saracolés, les Mandingues, les Bambara, les Bobos, les Dogons, les Tamashek, les Touareg, etc. La pure même du Mali, c'est les Keïta, qui a vaincu Soumaoro Kanté en 1235 à la bataille de Kéna. Ça, c'était fait au pays malien, à Sibi. Quand il faut parler de Mali, il faut parler de tous les 7 pays qui sont autour du Mali. Parce que le Mali, c'est le centre de l'Afrique, de l'Ouest. Il faut parler de l'empire du Ghana, il faut parler du Burkina, l'empire Mossi. Il faut toucher la Côte d'Ivoire, il faut toucher le Burkina, il faut toucher la Guinée, il faut toucher le Niger, il faut toucher le Sénégal.
j'aime beaucoup. Ça, ça roule bien là sur. Et est-ce qu'on peut venir gelé, est-ce qu'on peut faire ça 15 km de là à là. De là à là, ça, ça fait 8. Ça serait peut-être pas mal ça, Jean-Paul. Et après, on part, nous. On part le truc, nous, on les rejoint. Non, voilà, si tu comptes 10 minutes. 10 minutes, tu l'as. T'as pas dessiné le rond-point. Non. Ah, moi, j'ai dessiné. Voilà. Ouais, de toute façon, on prend le kilométrage et on verra après pour organiser les relais. Hein. C'est sur la carte, mais c'est pas placé là. Bien, ça va. Ah ouais. Ça va fonctionner par rapport à l'autre. D'accord. De toute façon, il y a quelque chose d'immanquable, je pense, dans cette histoire de Red Mali. C'est qu'on part de Sibi. Il y a cette migration jusqu'au pays d'Ogon, d'un peuple. On fait la même chose. Donc, c'est vrai que. Bonjour. Ah ouais, pour que ça soit plus solide. Non, le frein s'est coupé. Ah, et vous avez pas de frein alors? Non. Pas du tout. Ah, il n'y a pas assez de moyens pour faire ça quoi. Il y a moins de moyens pour ça. Pour ça de graisse que la marche. On le sait, oui, mais ça pas. Tiens. Allez. Et voilà. Je vais repartir. À 8h, on est parti. Ouais, c'est tout rond, hein. Important, hein. À 8h. On peut partir plus tôt, mais. Je dis, à la limite, il faut faire. Ne serait-ce que pour. 5h30, les délais de pour faire 30 bornes. Comme 2h. Ça fait 7h30. Plus 1h30, plus 2. Plus 2, plus 2, pour faire 15 bornes. On est 2h. On en est à combien? Francs. Ah oh. D'accord. 100 francs, moura moura. Qu'est-ce que ça veut dire, moura moura? Ah, moura moura. Bah, les bons manas là, 100 francs. Ah, les nounous, genre. On a pris. Ah. Hein? T'as manan de ça. Apa dah?
va? Ça va bien? C'est toi qui servis toute la communauté sévoudienne. Attends que le fleuve se répand, nous n'aurions jamais ni la soif et la faim. Le reflet de la surface doit être caché, caché de profondeur trouble. Le reflet de la tournée vers l'immensité céleste. Que puisse l'encre de ma plume et aussi être fluide que ton monde. Comme toi, j'aimerais m'effondre dans une mer si lointaine. Ton âme s'abrime de bonté. C'est toi qui donnes, sans compter, la vie, les poissons et même nourrir les arbres et les richesses du pays. Et reste là le fleuve Niger qui fait partie du pays. Moi je sais pas si j'irai pas jusqu'à Bamba. On verra au retour, on essaye par là et au retour on essaie de passer par Bamba. C'est là la route quoi. Ouais. Ah ouais. Et quand c'est qu'on fait rouler un bike sur cette étape donc. Laquelle d'avant? Ouais, sur la télé. La grande mosquée là qui est placée au patrimoine de l'humanité. À Djenné ? Ouais. Je les vois bien courir devant et que filmer là, ça doit être sympa quoi. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك Tu sais que tu fais ça pour le tien, il reste là. Hein.
sont pas utilisables, pas du tout. Il y a des sanitaires ou pas? Ils sont pas utilisables. Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme hébergement alors? Qu'est-ce qu'il y a comme... Et on peut voir qu'est-ce que vous avez disponible pour voir pour une autre fois? Bon, mais après, ça peut être. C'est peut-être possible. Vous, vous n'avez pas des tentes? Oui. Hein? Si, si, on peut camper, oui. Vous pouvez camper. Vous pouvez camper ici. Oui, mais ce qu'on cherche aussi, c'est avoir de l'eau, quoi. Une douche. Pour les douches. Des douches. Sanitaires. Bon. Je vais résoudre ce problème-là. Je vais leur dire de vous donner au moins la douche, quoi. Donc, vous vous lavez le soir. Quand même, vous pouvez vous camper ici, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ce que je te dis. Ouais. Là, on finit les handbags, au moins des deux handbags sur le micro. J'ai peur que ça dure le 1000, apparemment. Ah, mais t'as vu là à droite, il y a une forêt classée un peu plus loin, alors est-ce qu'ils cultivent dedans? Oui, ah. Mais ça va être que tout cultivé. Hein. Ouais. Par contre, un kilométrage, ça risque de faire beaucoup. Soit on fait une liaison avant et on fait rouler aussi les handbag 1 un peu sur la route, voilà, tu vois, ouais. Un truc comme ça. Oui, voilà, ça il faut voir. Un écrivain arrivé de la France en 1931, Marcel Guyot, avait rencontré un vieux Dogon, c'est-à-dire il s'appelait Amaguel Delo. Et donc le vieux il lui transmettre l'histoire comme ça, et Marcel ne faisait que écrire. Et donc Marcel il s'est convaincu à la religion animiste pour pouvoir suivre la tradition Dogon, pour pouvoir connaître les fétiches, les différents fétiches. Mais ils avaient l'espérance, ils n'avaient pas l'espérance de faire la culture. C'est-à-dire parce que dans la falaise, les Dogons qui sont dans la falaise, ils ne peuvent pas faire la plantation ou faire la récolte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dit aux Dogons de partir dans la plaine, chercher de la boue, le venir dans la falaise, faire les étapes, c'est-à-dire faire une place. Et comme ça, chacun commence à entourer sa parcelle pour pouvoir faire la récolte. Donc ça, c'est l'idée de Marcel Guyot. Donc, jusqu'à présent, les Dogons sont en train de suivre le chemin de Marcel Guyot pour la récolte. Lui, c'est toi qui conduis le 4x4? D'accord, la rue de Moiti, vous allez à Sévaré, après Sévaré, Kourou, comme ça, Dogon. La longueur de la falaise, elle fait 300 km. Ça commence à partir de Somadougou jusqu'à Gao. C'est-à-dire c'est des masques qui sont très importants dans la tradition du Dogon. D'abord le Kanaga. Le Kanaga c'est un masque qui représente le ciel, la terre et le monde entier. Et donc ensuite vous avez le masque Satimbi. Ça représente tout à fait dans une famille, si tout le monde est mort, il te reste une personne dans la famille. Ce masque elle représente cette personne. Et le masque Lapin, c'est-à-dire c'est pour l'intelligence dans le pays des bons. Le caïman sacré. Vous avez encore la torture, qui est l'animal sacré au pays de Gaon. Vous avez le cavalier, et vous avez encore le chien, qui est un animal aussi important pour le chef spirituel au Gaon. Et donc, lorsque les Dogons sont arrivés, parce que les Telem, ils habitaient à partir du 9e ou 10e siècle
dans les falaises. Les gens sont arrivés à partir du 14e au 15e siècle. Ils voulaient les télèmes dans la falaise. Les Dogons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré habiter d'abord au pied de la falaise parce que les télèmes, ils étaient en haut. Et les télèmes, c'est des gens qui étaient tellement sauvages. Donc les télèmes ont fui du pays de Gand. Quand ils ont fui, ils sont partis vers le Burkina, vers Tanzanie, Kenya. Et là, nous sommes à 50 km du Burkina, de la frontière. C'est un chasseur. Sankara. Thomas Sankara. Pedro. Fatouma Kouyate. Moana. Où c'est 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 Où Là, vous avez la pierre, ensuite avec le coton, c'est-à-dire le coton du fromager. Ah, ouais. Et donc, c'est-à-dire, ils prennent ça avec le fer noir, c'est-à-dire qu'il faut le frotter, donc faut pour allumer, faire le feu. Et donc, ah, ouais, il va s'allumer son tabac avec, ah, oui. Avec la pierre. Magnifique. La palabra en Dogon, on appelle le Toguna. Ils viennent pour discuter, pour résoudre. Et en fait, le problème n'est pas résolu. Personne ne sort de la Casa Palabra. Souvent, soit 12 heures, souvent 2 heures de temps, ou 4 heures de temps, une journée, 2 jours. Tel qu'il n'est pas résolu, personne ne sort. Et donc, si tu t'énerves contre le chef du village, au sous de la Casa Palabra, quand tu t'énerves, tu prends un bar. C'est pour cela qu'on est très bas comme ça. Et c'est-à-dire, c'est comme le palais royal. De justice en pays de Gand. Bah, j'avais dit ça fera plus 14, je fais la visite à du monde.
Salam. Ça va? Un explorateur, ouais. Hein, il a quitté Saint. Saint, oui. Saint, sous autorisation du roi. Parce qu'en quand il y avait le roi, l'autorisation, il a tout fait, après il est venu par la Guinée Conakry. Et il est venu à Djenné, par Piro, là-bas, il a longé le fleuve, il est rentré ici. Mais il a appris un peu d'arabe en Mauritanie. Avant d'aller en Guinée, il a pris là-bas, il a pris l'arabe, fait l'équipe blanche et tout. Hein? Il a comparé un peu les dialectes arabes. Comme ça qu'il est rentré ici. Il dit qu'il est arabe. Uh-huh. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de douane. Il est venu là-bas. Après avoir séjourné ici, hein? Il a eu beaucoup de protection. Il a suivi la caravane. Il a pris les délais pour aller au Maroc. Il est remonté par le port Tanzanie ou de Denis, ah oui, pour aller au Maroc. Il a parti de tout le soleil. Il a rougi, il est venu, il était tout la mer. Il est venu, le soleil l'a pris. Et il est devenu gris. Le soleil l'a un peu brûlé. Un peu brûlé, oui.
Ensemble, on ira partir de Paris. Et plus sans partir. On donne la main au malheur. Tu vois le mal que tu te donnes et après tu vas voir quand tu te vois une demi-seconde. C'est pas possible. Ça c'est. Et écoute, ben on se voit ce soir. Vous l'avez mis, c'est ça c'est quand même là. Ah ben c'est bon là, t'as assez pour Preston. Allez, pour le best-of, tu le lâches là. Allez, tu le lâches. Lâche-le. Avec le vélo et. Ah ouais, d'accord. Voyons. Ah bon. La mal au Mali. Dans les bas. Non pas dans les pieds. Les pieds dans les bas. Le roi des cahiers. Cet aventurier. La tambour lingué. Et ce serait. Un dur raid aride. Un dur raid aride. Puis quand on reviendra. Pour fêter tout ça. Ensemble on ira. Partie de Paris.